Hey, poteau. Ouais. On va tout prendre, hein. Je crois, on va rien laisser. En plus, y'a de l'oseille à se faire, en plus. Bien sûr, poteau, on va tout prendre, tout le circuit. Vas-y, y'a pas de problème. Le marché, on va tout rafler, tout. En plus, je connais 2-3 mecs, en plus. Ouais, pareil pour moi, poteau, t'as vu? Bah, vas-y, alors. On va aller voir ça, ok, gros? J'avais rendez-vous avec monsieur Cocaïne, il était là à l'heure pile, costume clean. Ouais. Tu vas pas me croire, mais il est venu en limousine. Pendant qu'on déjeunait, il a toutes les propositions, des contacts en Colombie, de quoi me faire des millions. Il va même jusqu'à me dire qu'il a des cryptos, Matignon, assez mignon. Ceux qui passent à la télévision, normal quand t'as des connaissances, comme madame Extar, fille d'un père mafieux, victime d'une vendetta. Il m'avait déconseillé de faire des affaires avec héroïne. Ah bon, le garçon, à ce qu'il paraît, couper ça à la farine. Sa cam n'était pas pure, c'était pas grave, il avait ses victimes, son truc c'était les afters, ambiance branchée façon Queen. On touche un trois mots sur un certain monsieur Skunk, un hollandais apparemment qui lui devait des comptes, mais c'était pas rendu compte. Qui parle du mec qui m'accompagne, monsieur Chuch, un des plus gros fournisseurs d'herbe cabale. Tout ce qu'il attendait de moi, c'est que je devienne son bras droit. Il me glissait un papier avec le lieu et l'endroit. Les airs ils font pas la piqueuse et les feuilles à rouler. Les airs si t'es dans, si tu t'es fait rouler. Les airs tu fumes, tu sniffes, tu gobes des procédés. On sait pas bon procédé. À toi de décider. Réservoir drogue. Confond pas la piqueuse et les feuilles à rouler. Réservoir drogue. Si t'es dedans, c'est que tu t'es fait rouler. Réservoir drogue. Tu fumes, tu sniffes, tu gobes tes procédés. C'est pas bon procédé. À toi de décider. Je suis avec monsieur Popo, un mec en or, un bon pote. On a passé du bon temps dans sa big villa au Maroc. Il trimbalait toujours dans son froc à 357. J'ai vite compris comment cet enfoiré avait fait recette. Monsieur Charno étant mort dans un règlement de compte, je suis sûr que c'est lui et son poteau qui s'est appelé monsieur Skonkton. Après une longue conversation, le bonhomme qui me dit: prends cette arme, on file de suite chez madame Ecstasy. On a rencard avec elle dans son bar avec elle. Sa cousine LSD en mini jupe et en jardel. Je m'assois pour prendre un verre, putain, drôle de demoiselle. Je regarde dans mon verre pour voir s'il y a rien dans la haine. Au moment même où ces filles nous racontent leur rêve parti, monsieur cocaïne surgit avec monsieur opium et monsieur crack, deux de ses amis. Les habits couverts de sang à mon avis, monsieur héroïne a perdu la vie. Réservoir drogue. Ils font pas la piqueuse et les feuilles à rouler. Réservoir drogue. Si t'es dans, c'est que tu t'es fait rouler. Réservoir drogue. Tu fumes, tu sniffes, tu gobes ton procédé. C'est pas bon procédé, à toi de décider. Réservoir drogue. Ils font pas la piqueuse et les feuilles à rouler. Réservoir drogue. Si t'es dans, c'est que tu t'es fait rouler. Réservoir drogue. Tu fumes, tu sniffes, tu gobes tes procédés. C'est pas bon procédé, à toi de décider. Arrivé dans le bar en question, à mes côtés monsieur Kuskon, vêtu d'un gilet pare-balles et dans les mains un peu con. Mais qui sera le patron? À l'intérieur y'a que des gros bonnets, tous nez à nez, vu que mon pote vient dégainer. Monsieur cocaïne à son tour braque monsieur Popo. Monsieur crack ne se prive pas de braquer monsieur Kuskon. Au milieu de tout ça, dis-toi bien, j'ai dû faire un choix, liquider cette prostituée de madame. Et là démarre les coups de fusil. Opium sort son Uzi, je l'arrose d'une balle entre les yeux. Pour lui, c'est robe de nuit. Skunk abat froidement crack, étant plus rapide que lui. LSD s'évanouit, et Popo a des ennuis. C'est l'œuvre de monsieur cocaïne, il l'a touché dans le bras. Vu qu'il reste plus coin, et met le poteau, il lève les bras en kebra. Tout le monde va bien, je crois, non? Monsieur Skunk, ça va? Mon pote AB aussi, monsieur Popo s'en remettra. Ok, et mon pote Rimka apparemment est en bon état. À trois, on tire dans le tas pour se farcir, monsieur Coca. L'enfoiré bouge plus, y'aura moins de seringues usagées et de tox dans ma rue. Un gros alors hein, finalement hein, finalement, c'est qui a le dernier mot, putain? C'est nous gros. Hein. Allez, on se casse, on se barre, je taille grâce. Réservoir drogue. Ils font pas la piqueuse et les feuilles à rouler. Réservoir drogue. Si t'es dans, c'est que tu t'es fait rouler. Réservoir drogue. Tu fumes, tu sniffes, tu gobes tes procédés. C'est pas bon procédé, à toi de décider. Réservoir drogue. Ils font pas la piqueuse et les feuilles à rouler. Réservoir drogue. Si t'es dans, c'est que tu t'es fait rouler. Réservoir drogue. Tu fumes, tu sniffes, tu gobes tes procédés. C'est pas bon procédé, à toi de décider. À toi de décider.